Hey, salam alaikum, mes très chers abonnés, on se retrouve les amis aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, bao, tu le sais déjà. Bon, juste tout à l'heure j'ai sorti le micro tocard, les gars. Je vous conseille vivement de venir sur mon Insta, il est dans la description. Bon, de temps en temps je vous mets des épisodes, mais ça se passe sur Insta vraiment, tu vois. Des micro tocards, c'est de la frappe. Sans vouloir genre valoriser mon travail, mais genre c'est un concept, on est en train de bosser dans... Il y a déjà deux épisodes qui sont sortis. Je vous laisse aller voir ça. Il y a même sur YouTube, j'en ai mis. Donc voilà, n'hésitez pas d'aller checker. Voilà, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous savez déjà les bails, abonne-toi, active la cloche. Tu connais déjà la phrase type. Mais bon, moi, là, on va écouter quoi à ton avis? Là, on va écouter quoi? Un truc de dingue. Déjà, Strange, je l'attendais, ça fait longtemps. Parce que je le savais que ça allait le faire. Et parce que Central Cee, il en a parlé. Bref, il a appelé Eurovision par rapport au festival là qui font récompenser la dernière édition, c'était des Italiens qui l'ont, c'est des chanteurs de rock qui l'ont remporté, c'est des Italiens. Bon, j'ai pas trop kiffé hein, parce qu'il y a moins de rap, on va dire. Mais j'ai vu aussi dernièrement, je sais pas si c'est Eurovision ou un autre truc, mais c'était Central Cee qui l'a emporté. Et genre même quand il est parti chercher le trophée, il y avait tous ses collègues avec. Bref, expliquez-moi, je sais plus si c'est Eurovision par Eurovision. Mais voilà, moi la dernière Eurovision que je me rappelle, c'était des Italiens qui l'ont pris, c'est des chanteurs de rock, j'ai pas trop aimé leur truc. Bref. Mais voilà, Central Cee, tu connais déjà les bails. Il s'appelle Eurovision featuring Rondodo Sosa. Rondoda Sosa. Ben bref, oh c'est quoi ces pseudos les gars? J'ai pas fait des efforts les artistes. Bref, je sais pas, ça doit être soit un Italien, moi je pense que c'est un Italien. Après il y a Baby Gang, je connais, c'est un Italien. A2 Anti, soit c'est un Italien, soit c'est un Anglais. Mourad, tu connais déjà les bails, Espagne. Benny JR, Lua Skip, c'est un Espagnol. H22 Frisco Leon, tu connais déjà les bails. Sadio Riyad, ça vient. Et on attend ça. Bref, comme je vous ai dit, hein, c'est peut-être en mars que ça va sortir. J'ai des contacts, tu vois. Je sais à peu près, mais je suis pas sûr, tu vois. Mais c'est en mars, normalement. Bref. On va écouter ce string de fou malade. J'attendais que le clip sorte parce qu'il est sorti sur les plateformes. J'ai dit non, j'attends. Bref, là, il y a le clip. Bref, on va l'écouter ensemble, les gars. N'hésitez vraiment pas de partager et activer la cloche. Vous connaissez déjà le bail. Babanks, babanks, babanks. Allez, go. Bon, j'ai vu que le clip a été réalisé par William Thomas. Big dédicace à ce mec parce qu'il, franchement, il fait... Je l'ai connu, ça fait pas longtemps, moi. Je l'ai connu en 2017, un truc comme ça, tu vois. Ah, ça fait 5 ans presque, mais non, c'est vraiment 2018. Je commence à le voir présent dans quelques clips. En 2020, là, il a vraiment commencé à être de partout, tu vois. Et là, ouais, 2021-2022, il est en force de fou. Hein. Il fait presque tous les clips maintenant, tu vois, bande organisée, etc. Ça, c'est un exemple, mais parce que ça a fait beaucoup, beaucoup trop de vues. Et voilà, mais voilà, c'est un très bon réalisateur de clips. Et franchement, je crois que c'est même lui qui fait le montage, donc chapeau. Là, la prod by Young Chanks, je crois que c'est un truc de Angleterre. NKO et Flem. Bon, Flem, je connais déjà les bails. Let's go! You are now listening to Young Chanks. C'est le Flem, tu connais? Ça c'est Mourad ça. Genre chacun il dans sa signature, tu vois ce que je veux dire. Je dois deviner, c'est Rondo da Sosa et c'est un Italien, voilà. Trini l'Italia. Do my job. Oh là là, c'est qui ça? C'est Baby Gang, je crois. Voilà, je suis pas serein, les gars. Mais je crois que c'est Baby Gang. Parce que j'écoutais ses sons, mais je sais plus sa tête. Come la
Ouais, je crois que lui c'est à De Anti. Et c'est en Angleterre. C'est en Angleterre. C'est en anglais. Qu'est-ce que je raconte? C'est Central C. Voilà, je suis bourré, je crois. My eyes. Big two on my waist. Big one. Come like a box of Viagra. You don't wanna fool Niagara. The blue phone's up, so I'm talking patois. Came in like a rap dog. Wake up and smell the coffee. In deep where the water's choppy. Jump on me when I try to call you. Je vous mens pas. Tout ce que j'écoutais pour l'instant, Central C reste. Il se démarque vite fait des autres. Tu vois, Baby Gang aussi pas mal, mais pas assez. Tu vois, là pour l'instant, je préfère le couplet de Central C. L'autre il se la pète, il fait ça. Je comprends que c'est de la zipette. Après, il dit ice, tu vois, il se la pète. Lui, il dit quoi? Don't talk, listen. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils se la pètent trop, les Anglais là. Les British. Voilà Mourad. Je sais pas si c'est un refrain ou quoi, parce qu'il le répète. Et les gars, c'est le seul rappeur qui a percé en Espagne, ou je comprends pas? Il y a que Mourad en Espagne, c'est un truc de fou. Loco, tu eres un embutero, justamente. Viverías como una voz te susurra. Lala como una susurra. La boca habla, luego se cierra. Yo no tengo bici, llaman a otro diciendo que quieren. Quoi, c'est tout? Ouais, il est pas sérieux. Il a chanté trois phrases, Mourad. Aucun effort, frère. Soy Neymar. Voilà, c'est lui, je crois, Benigier, parce qu'il rappe en espagnol. Donc là, Zama, il y a déjà l'Europe. Pour eux, deux mecs d'Angleterre, deux mecs d'Italie, deux mecs de France et deux mecs d'Espagne. Oh, l'Allemagne, vous l'avez sous-estimé, je sais pas, parce qu'il y a du rap en Allemagne quand même. Au moins un mec, tu vois. Il y a l'Allemagne, il y a même, je sais pas moi, le Pays-Bas aussi, ils ont des bons rappeurs là-bas. Après, c'est vrai que ça ferait un feat de 10 minutes, ça part sur très organisé après, c'est bon, c'est vrai, c'est vrai. Oh là là, l'entrée légendaire. Frérot, tu connais, c'est H22, charismatique comme il faut. Il a dit, j'ai tout mis dans la crypto. Oh, d'ailleurs, les gars, si vous voulez parler de crypto, dernièrement, ils ont chuté. Genre, le Bitcoin était à 39 000. Il est descendu jusqu'à 30 000. Et là, il est en train de remonter à 40 000, 42 000. Un truc de fou. Genre, les gens qui n'ont pas mis de l'argent quand ça a retombé. Même moi, j'ai eu peur, les gars. Je vous mens pas, moi, j'ai rien mis. Parce que j'ai eu peur. Parce que là, en ce moment, c'est chaud, tu vois. Il y a des tensions, les gars. À tout moment, ça disparaît, tout ça. Du coup, voilà. Mais il y en a bien des malins qui sont mis. Et frère, les cryptos, hein. C'est un grand sujet, ça. Venez sur mon DM Insta, je vais vous donner des plans, les gars. Je veux le fils de mon papa. Il me faut le pied gauche à Robin. La droite de qui je cours. Attends, remets l'intro. La crypto. Fisco. Le pied droit à Robin. Dans mon entourage, il y a zéro police. Mes deux poteaux, c'est que des solides. Ah là 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 là. Hey. Je poule pas l'angle pour marquer le rap et je vends pas mon âme pour quelques CD. Il est en train de dénoncer quelques rappeurs qui ont vendu leur 1 pour vendre quelques bails. Et ouais mon gars.
depuis tu t'as tatikali. Ça conflit Italie jusqu'à Nyaritali. Tu cries balité à Dilrami. Très loin de comme si j'habite. Oh le bâtard. Il a pas dit ça. Il a pas dit ça. Quelques CD, je vous la balance pour marquer le rap avec une frappe pour la triser. Je suis Colibalité Adil Rami. Il veut pas arrêter avec ça. Je suis un truc, t'es un truc, je suis un truc. Je suis un avion, t'es un vélo. Là, il a sorti, je suis Colibalité Adil Rami. Ça dure quoi? Ça dure Adil Rami, il est nul en défense. Arrête. Voilà, tu vas rêver. Ouais, je suis d'accord avec lui, Zama. En vrai. Mon choix de rosette, ma lune frozen, grosse arbalète et se posait. Pas français, il a des MST, va vendre que des cryptos et des NFT. Petite promo de leur projet, Riyad Sadio commence. Pas mal, ça passe. Attends, on va le remettre. Que des NFT. Rami, très loin de comme si j'habite Bali, mes tasses. Mon choix de rosette, ma lune frozen, grosse arbalète et se posait. Pas français, il a des MST, va vendre que des cryptos et des NFT. Mes tasses, je connais des centrales à Londres. On voit la prod et c'est des centrales à Londres. Donc voilà les amis, c'était le feat de fou malade, de fou furieux. C'est quoi ça? Je comprenais pas moi. Ça m'a enchaîné de ouf. Après je vous mens pas. C'est pas parce que ouais je suis français ou un truc comme ça, ou c'est parce que c'est le rap français, mais je préfère de loin les deux couplets de Freeze et de H22 les gars. En plus H22 je le trouve de plus en plus fort en ce moment, c'est un truc de fou. Dégradé le couplet, frère. Oh là là, même le refrain. Mais les gars, même là, H22, il est de plus en plus incroyable. Il y en a ils disent ouais, il se répète. Pour moi, non. Pour moi, avant, il se répétait. Là, je le trouve chaud là. Tu vois, ces projets qu'il a sortis avant, j'ai pas trop accroché. Là, dernièrement, il y a 3-4 singles dernièrement. Il est fort, les gars. Il est fort. Je sais pas, moi, il me surprend en tout cas. Freeze Corleone, tu connais déjà. Voilà. Et pour le reste, ouais, Mourad, il nous a lâché 4 mots. Ça se fait pas. Je sais pas, ils ont pas voulu genre mettre un son de 8 minutes, je comprends. Mais bon, j'aimerais bien écouter plus Mourad que certains d'autres ici, hein, parce que ouais, ils n'étaient pas tous à la hauteur, on va dire. Central 6, c'était validé. Mourad, c'était pas trop. Baby Gang, vite fait. Le mec en premier, à moitié. L'autre là, Don't Talk, Listen. Voilà quoi. Mais bon, en général, le son il passe, tu vois. Le son il est cool. Mais comme je vous dis, je préférais Central C, les deux mots de Mourad et H22 Freeze, tu connais. Voilà, voilà. Hein. Pour moi, c'est validé. Et pour une note, je vais vous laisser vous. Voilà, parce que j'ai décidé de ne plus donner de notes, les gars. Parce que ça j'ai vu que ouais, certains ils sont fâchés. Parce que quand tu dis la vérité, ça blesse. Tu vois, moi, je donne mon avis. Ce qui concerne la note, moi je suis un auditeur comme vous, donc je fais pas l'expert, je vous laisse vous, le grand public, noter ce que vous voulez, sur 10, et voilà. Malgré, normalement, si vous avez bien analysé mes paroles, vous savez à peu près, je donne combien. Mais bon, c'est tout pour moi, on se retrouve pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bye bye.